Salut tout le monde, c'est Vaxon, on se retrouve aujourd'hui sur Heroes and Generals et on est en Fallschirmjäger, donc en parachutiste allemand en somme, hein. Et on est sur Mountain Town, voilà. Donc Fallschirmjäger, ma classe c'est tout simplement une MP40 avec un pistolet C96. Et oui, je prends les deux parce que qui sait, hein, c'est toujours pratique d'avoir une deuxième arme sur soi. Et comme j'avais le C96 avant de passer ce personnage en parachutiste quand c'était encore possible, eh bien, j'en ai profité. Donc le badge Order me permet d'avoir des chargeurs pour ces deux armes. Voilà, bon. Alors je suis dans une escouade de deux autres parachutistes, donc je vais essayer de rester avec eux. Et l'autre qui saute déjà, alors qu'on pourrait déjà nous attaquer ce point-là. Je pense que l'infanterie saura défendre des deux, ou en tout cas je l'espère très fort. Pendant ce temps-là, moi je saute ici. On se fait déjà tirer dessus, c'est pas mal. Il faut que je trouve un endroit plus ou moins safe. Il n'y en a pas. Très bien. Bon ben, on va aller dans le grenier de ce bâtiment. Et c'est mal parti pour des deux. Putain, l'infanterie s'il vous plaît. Toujours le problème quand on joue en parade, des fois vous avez l'impression que l'infanterie ne fait que dalle, mais ce n'est qu'une impression parce que vous n'êtes pas en bas et vous ne savez pas le bordel que c'est peut-être. Bon ben, on va prendre le vélo du coup. C'est parti. Alors pourquoi je joue en Fallschirmjäger? Bah de 1 parce que j'avais un peu envie de sortir les paras, et pourquoi plus particulièrement en para allemand? Parce que j'ai envie de débloquer la Fallschirmjäger VR tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas encore le ruban. Et après je n'aurai plus qu'à avoir l'argent. Enfin ça va de soi j'ai envie de dire. C'est comme d'habitude pour les déblocages. Bon, allez tiens, il manque la côte. Bon, on va descendre ici en fait. Hop. Comme d'hab, en para, je vais passer plus de temps plutôt. J'ai galéré à dire cette phrase, à me balader partout plutôt qu'à sauter de l'avion. Ma foi, ce n'est pas trop un problème. Il y a un mec, à mon avis c'est un para ennemi parce que j'ai pas entendu le jeep ou quoi que ce soit. Et il est mort, très bien. Bon. Ma foi, ne nous plaignons pas, il est de retour. Enfin, c'est pas lui peut-être, mais... Wow! La bombe perdue! GG! Hop! Salut! Oh putain, il fait mal son garant! Coucou! Voilà! Déçu! Oh merde, je viens de remarquer que j'avais des balles modifiées, mais il faudra que je les retire parce que ça sert à rien en fait. J'ai des balles qui diminuent le recul, mais le recul de la MP40 est déjà tellement bas en fait que. Ok, il a des marques 2. Oh, ben, on va s'en servir! Vous savez quoi, pour une fois que je lance des grenades? Hop, ça fait un petit barrage qui n'a tué personne, mais au moins ils ont eu un peu peur. Ah bah ils étaient par là en fait, donc pas du tout là où je visais mes grenades. Bonjour à toi, grand voltigeur. Ah, l'avion P40. J'ai cru que j'allais me choper une bombe, ça me rassure pas trop d'entendre des avions, vous savez. Ok, je suis tout seul sur zone. Ah bon, d'accord, les deux autres sont partis. Ou mort, ou au choix. Veuillez sélectionner votre réponse favorite. Bon. Ok. Très bien. Bon bah on va ressauter. N'est-ce pas? Putain, le spawn en parachutiste, par contre, ça prend des plombes. Mais des plombes. En fait, voilà, le matchmaking du jeu a encore décidé qu'il allait mettre beaucoup plus de para que d'infanterie. Donc c'est normal, en fait, qu'on va perdre cette game tout simplement. Hé, parce qu'il n'y a personne pour défendre. Les paras, c'est pas fait pour défendre, c'est fait pour attaquer. Du coup, je vais aller à la ligne E parce que la ligne D est d'avance perdue. Il n'y a aucune infanterie dessus. Ce qui est désespérant. Et du coup, je vais pouvoir squatter la Jeep de ce magnifique. Enfin, de ce magnifique. De ce gentil allié plutôt. Voilà. Salut. Ah mais ça bouge partout! Je déteste tirer avec les mitrailleuses des véhicules, ça bouge tellement. Mais regardez-moi ça! J'avais le viseur en plein sur lui. Hop, un de moins. Du coup il se barre sans moi maintenant. Allez, salut. Putain. Mais... Oh les mecs qui ont pas le temps comme ça des fois. Allez, go.
Bon bah on est peut-être pas si mal parti que ça en fait. Enfin si on perdait un, mais voilà c'est pas si grave, n'est-ce pas? Ouf. Oh oui, ça c'est beau. On est 6 contre personne. C'est pas mal ça. Le bruit du P40, il me fait penser au bruit du Hurricane dans War Thunder. C'est la petite information utile du jour, voilà, merci, au revoir. Je sais pas pourquoi. Et hop, pour un capturé, sans trop de difficultés, j'ai envie de dire, on est tout seul. Hein, ah, il y a quelqu'un qui s'est incrusté dans la fête. Bah, il est mort, voilà. C'était bien, belle intervention. J'ai entendu snipe, à mon avis, dans les collines là-bas. Il doit y avoir du sniper, il y a des mecs qui vont traverser le pont, donc vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on sait où vont les ennemis? Eh ben on les attend! Salut! Voilà. C'est aussi simple que ça. Hop! Je prends quand même le garant parce que c'est pas avec ma MP40 que je saurais faire de la longue distance. Oula, oula, oula. J'ai pas de... Ah, escalier. Oh, pff. Ok. Midlife. Je suis déçu. Bon, je vais rejoindre mes alliés, du coup. Enfin, mes... Pff. Squad mates. Oh, mais bon sang, le stand respawn. Oh, l'avion est down. Damn it. Oh, il a mis des slots d'infanterie qui me correspondent très bien. Mais je vais rester en para. Allez, on est reparti, on va aider Ludwig. Enfin, Luding, pardon. J'ai lu Ludwig. Oh non, on a reperdu O1, quoi, mais... Oh, il y a vraiment pas assez d'infanterie, quoi. Vraiment, vraiment pas assez d'infanterie. Regardez, on a 3 tankistes, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est de l'infanterie. Bon, c'est déjà ça. On a 4 soldats d'infanterie, à première vue. 5, waouh. 5 soldats d'infanterie, le reste, c'est autre chose. Et tout ce qui est autre chose, c'est pas bon pour défendre. Enfin, pas bon, relativement moyen, en tout cas. Bon, bah du coup, je vais aider O1, parce qu'ils ont l'air de se démerder sur D3, donc bon. Puis surtout, j'ai sauté beaucoup trop tôt pour atteindre là-bas. Oh non, 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 d'où ça tire? C'est là, il y a un mec accroupi. Si, je n'ai pas halluciné. Bonjour, toi. Viens à moi, ce n'est pas moi qui viendrai. Salut. 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 Ah, du coup, il a abandonné. Il s'est dit, ah non, il me fait chier, j'arrête. Bon, tant mieux. Moi, je vais rester ici, hein, j'attends les renforts, s'il y en a. Pitié. Il arrive. Il a vu que je sautais ou pas. Où s'est tendu? Huss. Ouh, il a peut-être pas vu. Du coup, je suis encore safe, là. Oh, non. Yes, ce full auto qui était dégueulasse. Oh oui, le tank qui vient me sauver, quoi. Oula. C'était quoi, cette explosion, près de moi? J'allais me soigner. Et en passant... sa mitrailleuse. Putain, j'ai bien fait de me soigner, sinon là je serais mort. Hop. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut aller aux mitrailleuses des tanks, qu'il faut aider les tanks, qu'il faut protéger les tanks. C'est trop puissant. Regardez, j'entends qu'il y a quelqu'un derrière d'ailleurs. Oula, 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 oula. Ah, ok, c'était pas derrière, c'était au-dessus. Bon, on va ressauter. On repère D3 de nouveau, mais fuck this shit. Ah. Il est temps de spawn. La la la. Allez, hein. Bon, en fait, on a repris D3, donc c'est très bien. Par contre, non, 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 s'il vous plaît, quoi.
Putain, ça c'est tellement chiant quoi. Comme si spawner en para ça prenait pas assez de temps quand tu te fais abattre directement dès que tu spawns. Bon, je vais aller sauter pour l'autre point. Maintenant. Ça va, c'est pas le genre de pilote connard qui abat les parachutistes. Je crois qu'il y a rien qui m'énerve plus dans ce jeu que ça. Les pilotes super greedy qui attaquent les parachutistes. Sincèrement, je vous hais les gars. Hop là, on est dans la zone. Je vais trouver un petit spot sympathique. Du style. Nyeh. Si on peut... Oh putain de merde! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Eh mais... Ah mais non, mais je suis déçu, on a perdu au 1. Mais ah non. Bon, bah c'est bon à savoir, hein, ce petit spot de ce n'importe quoi, de sa mère, de ce que je voulais. What? Ne me dites pas qu'on peut faire ça à tous. Oh putain de merde. les vieilles planques dégueulasses. Bah c'est bon à savoir, écoutez. Bon bah du coup je suis ici pour rien. Yes, c'est pas mal, c'est trop bien. Bon, bah on va remonter. Et en sachant que je n'ai pas le badge marathonien, ça va prendre 5 plombes et demi. Bon, O1 s'il vous plaît, cette fois-ci c'est la bonne peut-être. J'aimerais bien. On est à 3 captures l'air de rien. Ça qu'est bien quand on joue en para, c'est que c'est une classe qui monte relativement vite dans tout ce qui est grade, parce que bah vous êtes tellement souvent sur les objectifs, encore plus qu'avec l'infanterie, que les points fusent. Bon, il y a l'air d'avoir 2-3 soldats d'infanterie là, donc c'est bien. Oula. Oula, l'animation. C'est plutôt étrange. Bon. Hop, on va se foutre. Là. Bonjour. Je sais pas sur qui tirer. J'ai vu deux mecs, j'ai pas regardé qui était qui. Il a un gris gun pourri, très bien. Même pas modifié. Oh là 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 là. Salut. Qu'est-ce qu'il fout lui? Le mec il rentre quoi. Il faut que je retrouve mon spot de camp. Ouais. Ouais, la surprise. Mais... Putain mais... Oh fuck, il m'a fait trop peur lui. En plus j'ai vu le garant dépasser, je me suis dit merde. Et c'était un garant ramassé par un Allemand. Du coup tout va bien en fait. Ah, par contre, il est mort. Vite, le mec recharge. Tant pis, il est là. Voilà. J'entendais pas. C'est au-dessus. Parce que toujours aux étages, les pas c'est buggé, ça fait le bruit de terre. Dans les étages, dans les escaliers, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Il y a un sniper. Faut pas trop que je me montre aux fenêtres. Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tapé ma souris contre mon clavier, donc ça m'a empêché de viser. Très bien. Ah, le mec a switch en infanterie, il en avait marre. Bon, ça va, on se débrouille pas trop mal, mais on galère quoi, on galère un peu à maintenir O1. Et puis, bah, y a pas assez d'infanterie, je crois que les 3 points qu'on voit là, c'est les seuls soldats d'infanterie qu'on a. Peut-être lui aussi, ou alors c'est un recon. Ah bah autant pour moi, on n'a pas de recon. Mais bon. Lui c'est quoi là? Il a déjà pas de nom. Bah c'est un tankiste. Fighter, paratrooper, infanterie. Oui bah on a vraiment pas beaucoup d'infanterie. Oh là, tous les paras. Oh là là, il y a un raid. Du coup je vais foncer sur D3. Parce qu'il y a personne d'allié. Oups, je suis en majuscule. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh fuck, je me fais tirer dessus. Ouch! Putain, mais d'où ça vient? Il est où le type? Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu bouger. Bon. Oh là là, on se fait le prendre à une vitesse tellement... Oh là 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 là. Parachutiste, c'est un allié? Non. Fuck, 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 fuck. Pff.
Oh, ça va, c'est 2 contre 1, je croyais que c'était l'inverse. Salut! Et voilà. Glissgun amélioré, même pas. Bon, ça m'aurait un peu arrangé d'avoir une arme avec plus de munitions. Je crois que je vais retirer le pistolet par après et mettre marathonien comme sur mon parachutiste américain. Retirer le pistolet, mettre marathonien et mettre plus de chargeurs pour la MP40. Parce que voilà. Et on arrive déjà à 17 minutes de vidéo. Enfin, même 18 en fait. Oh my fucking god. Oh la bombe! Putain, mais j'ai eu du bol. J'ai vraiment eu du bol. Il avait quoi comme arme ce gentil allemand? Ah bah d'accord, pas le temps, une MG42. On sait plus ce que c'était la MG42, j'ai envie de dire. Depuis son nerf, j'ai l'impression qu'elle est totalement inutile. Regardez, le viseur il fait. Faut être couché pour l'utiliser et du coup ça perd un peu de son intérêt. Mais bon, après je suis un peu d'accord, avant c'est clair qu'elle était complètement abusée. Là il faut le dire, fusil laser c'est pas pour rien qu'on l'appelait comme ça. Je vais essayer un truc, je vais me mettre couché. Merde, j'ai pas ramassé l'arme. Alors... Ah bah il est mort. Ok, je voulais essayer de le sniper en étant couché. Mais... Il est mort avant. Quel dommage. Je vais la garder la MG42, vous savez quoi. Juste pour voir ce que ça donne sans tight grip. C'est déjà l'horreur. Regardez, on la voit bouger dans tous les sens quand on marche, quoi. Et si, si... Oh, oh là 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 là, la visée, quoi. C'est... le viseur qui fait n'importe quoi. Franchement, je l'ai acheté, enfin, juste un peu avant qu'elle soit nerf. J'en ai profité une semaine, je crois. Et puis... on n'a pas profité très longtemps. Soigner ici. Alors, on perd ou on récupère? Eh ben, on prend! Putain de merde! Il faut que j'aille à l'abri! Voilà. Putain, mais. Non, je vais vraiment pas garder cette arme, elle est vraiment inutile. Le mec, il a amélioré la cadence, alors que la cadence du MG42, c'est déjà un truc. Enfin. Je sais pas quoi, enfin. C'est déjà incontrôlable à la cadence de base, mais le mec, il améliore la cadence. Donc. Logic has not been found. Bon, s'ils arrivent à maintenir O1, bah moi je vais sauter sur O2. Let's go. Je vais aller dans mes petites planques que je viens de découvrir, n'est-ce pas? Oh putain, l'avion qui spawn méga loin, ça veut dire qu'on se prend des avions de chasse dans la tronche. Non, chef de squad, je ne vais pas descendre... Enfin, défendre O1, c'est le rôle de l'infanterie, même si on n'a pas beaucoup. Et on est 2 escouades de parachutistes tout de même. On se le fait prendre, mais si personne n'attaque en même temps... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, on le perd, donc en fait je vais y aller. On le perd, on le perd pas, on le perd. On le perd même très très vite. Oh putain, c'est pas possible. Et là je vais arriver... je serai soit dans la flotte, soit sur le pont. Je vais aller sur le pont, c'est la valeur sûre là, parce que sinon je suis dans la flotte. Non. Faut que je me mette à l'abri, je me fais tirer dessus. Il n'y a pas d'abri, bah si, là. Hop. Oh mon pote. Oh non, mais il y a la vieille spawn protection. Reto, ça sert à rien ça. Je veux dire, enfin, le spawn protégé, je veux bien. Mais autorisez-nous à monter dans les véhicules qui sont protégés. C'est débile. Bon bah ça va faire la 6ème capture d'objectif, rien que ça. Enfin si on capture bien entendu, ce qui est mal parti vu que c'est du 4 contre 4. 4 contre 4 c'est chaud quand même. Oh fuck. Mais je vais attendre ici, moi c'est plutôt un spot safe en fait. Je me dis que quand j'arrive ici je check jamais. Ça doit sans doute être le cas de pas mal de personnes. Bon, je vais aller dans la maison. Histoire de trouver et, si possible, éliminer ceux qui bloquent la prise de l'objectif. Sûrement à l'étage.
Bien sûr, mais c'est quoi cette Thompson? Je m'attendais à ce qu'elle tire plus vite. Bon, tentative désespérée d'aller... attendez, où en est O1? Ça va, on le reprend. Bon, je vais aller sur O2. Please. Un Dakota qui s'écrase. Allez, 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 allez! Putain, 80% de la vidéo, c'était le temps de chargement pour... Enfin, le temps de chargement, le temps de respawn pour les parachutistes. Putain, en plus on spawn à l'autre bout de la map, donc l'avion prend 5 ans à arriver, comme si t'avais déjà pas assez attendu pour spawn. Allez, c'est parti! Je crois que j'ai sauté un peu trop loin, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Quoique... Et là je vais arriver dans la flotte. Enfin non, en fait y a moyen, ça va être chaud, mais y a moyen... Non, y a pas moyen. Est-ce qu'il y a une échelle là? Dites-moi que oui, il y a une échelle, s'il vous plaît. Oh oui! Je veux assister à la prise du dernier objectif! Je vais aller dans ma planque pourrie. Salut! Oh non, qui me siffle? Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un ennemi qui me troll à ma façon. Ah ah! Putain, la planque débile, quoi. Et la partie va être finie sur une victoire. C'est bien, ça fait longtemps qu'on n'a plus gagné. Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous le répète encore une fois, vos commentaires me font à chaque fois extrêmement plaisir. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao.